Good morning, Ali Den, et aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yisraël Gvefeni Dvora Bat Esther, Adèle Bat Sol Tarab Lebet Vanish, et Charlie Shalom Benjamin Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yevamot, Perek Yud Bet, Mishnah Dalet. Acheresh Shenechalatz, Vacheresht Shechalza, Vacholetzet Lekatan, Chalitzet Absula, Ktana Shechalza, Je traduis directement pour qu'on explique mieux. Acheresh shenechlatz, un sourd à qui on a fait la chalitza. Ouais, c'est-à-dire le yavam, en fait, il était sourd. Il a un problème. Et c'est le même problème qu'il y a avec aussi acheresh shechalitza, la sourde qui a fait la chalitza. En général, on considère le cheresh et la cheresheth dans la Mishnah, dans la Gemara. Leur problème en général, pas cette fois-ci, mais leur problème en général, c'est pas juste un problème qu'ils n'entendent pas tout de suite. C'est que s'ils n'entendent pas, c'est qu'ils ne se sont pas développés intellectuellement, et donc ils ont un statut, le même statut que le fou en général. Il y aura un péric entier sur ça. C'est même le prochain chapitre. Non, encore deux chapitres. Quoi. Il y aura un passage qu'on s'intéressera surtout toute la leur des... Leur problème, donc en général, c'est qu'ils ne se développent pas. Cette fois-ci, on parle même si c'est quelqu'un qui s'est bien développé, et après il est devenu sourd. Le problème, c'est que la Torah nous dit qu'il faut partir au Beit Din, et on doit dire tout un rituel. Or, s'il est sourd, ou même s'il est muet, comme disait le Mefarchim, il en va de même pour le muet, ils ne peuvent pas dire tout le rituel, et donc, c'est invalide. Bien que dans la Mishnah précédente, on apprenait que si on a omis de dire, on s'acquitte comme un mitzvah, la chalitza est quand même validée, ouais, vous rappelez, malgré tout. C'est vrai que c'est pas obligé de dire, mais il faut quand même que tu sois apte à dire. C'est une règle, de manière générale, pour plein de lachot. Kolar ou le bila, en bila ma kevet, je ne vous explique pas ça longuement, mais très succinctement. Quand la Torah nous dit que, par exemple, tu dois amener des bikurim au Beit HaMikdash et tu dois dire aussi un texte, t'es pas, si tu as omis de le dire, tu as quand même fait ta mitzvah. Mais si tu les amènes de manière à ce que tu es un, tu n'as pas la possibilité de le dire, alors tu es exclu de la paracha, tu ne t'accomplis pas de la mitzvah. Idem aussi avec la Yevama, c'est le même principe. Tu dois venir, elle doit partir au Beit Din, on doit dire quelque chose, elle doit dire quelque chose, lui doit entendre ce qu'elle lui dit. S'ils n'entendent pas concrètement, c'est pas grave, ça invalide pas. Mais s'ils sont exclus, ils n'ont pas la capacité d'entendre, de lui dire, eh bien, ils sont exclus. Et de la mitzvah, on ne s'acquitte pas, ce que la Mishnah nous dit justement, donc, Acheresh Nechlatz, le sourd qui a fait la Khalitza, Vacheresh Chalitza, ou la sourde qui a fait la Khalitza, ou encore Vacholetzet la Katan. Elle avait un tout petit beau-frère qui avait 9 ans, 10 ans. Il était apte à faire le hiboum, même comme ce qu'on avait dit. Et elle lui dit, bah oui, on va faire la chalitza. Eh ben non, chalitza tapsula, la chalitza est invalidée. Ktana shechalitza, une petite qui a fait la chalitza. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mariée, elle avait 8 ans, 9 ans, et puis son mari est mort, elle avait même pas encore 12 ans. Elle avait 11 ans. Elle est partie faire la chalitza. Eh bien, la Mishnah me dit, tachlot mishitakdil, lorsqu'elle grandira, il faudra qu'elle fasse une deuxième fois la chalitza. Et si elle ne fera pas une deuxième fois la chalitza, chalitza tapsula. Sa chalitza est invalidée. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, elle a le même statut que le katan qu'on évoquait. Soit, il y a en fait, la Mishnah, on peut la couper en deux sujets. Il y a les sourds, c'est un premier problème, que ils ont, non seulement ils n'ont pas de date, mais même s'ils ont du date, ils n'entendent pas. Et donc, on inclut aussi dans ça, il y en a de même aussi pour le ilem, même pour le muet aussi. Ça, c'est premièrement. À part ça, il y a à part ça l'histoire du katan, que le katan, comme dans toute la Torah, il ne s'est pas encore développé, il n'a pas encore assez de jugeote, même s'il est déjà assez intelligent, mais concrètement, il n'a pas de date, ce qu'on appelle. Et dans ce cas-là aussi, sa chalitza, elle est invalidée, que ce soit lui le choletz ou qu'on fasse la chalitza à elle. Il y a en réalité, il faut savoir qu'il y a une machloquette dans la Gemara. Il y a un avis qui pense que si c'est. Si lui il est grand et qu'elle est petite, elle s'acquitte. Ouais, Khalitza Ktana, il s'est ici rapporté. C'est rapporté, je ne le retrouve plus. C'est rapporté dans la Gemara que Rabbi aussi pense que Ish Katuva Parashav, Isha Ben Gdola Ben Ktana, même une petite, elle peut faire la Khalitza, en fait. C'est entre parenthèses, c'est pour ça que la Mishnah elle l'a pas inclus en même temps, pour nous faire allusion qu'il y a une marloquette en fait avec Rabbi aussi. Mais concrètement, la Mishnah elle a invalidé tous les Ktanim. Ok? Un autre sujet aussi intéressant, quand même, je le dis quand même très succinctement,
c'est dans. On a vu toutes sortes de halakhot où on a dit que la khalitsa elle est invalidée. Bon, la khalitsa elle est invalidée, mais ça implique quoi donc? Il faut savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez du Perek Gimel ou si vous avez déjà commencé à un peu oublier, je comprends que c'est. On ne se rappelle pas toujours de tout. Mais là-bas, on avait vu toutes sortes de situations de khalitsa psula. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a une femme avec qui on a fait une khalitsa psula, une khalitsa qui était invalidée. Alors là, maintenant, on a un statut assez complexe. Que, en général, si on est cinq frères face à une yevama, il y en a un qui agit pour tous. Si on est dans une situation où il y a un frère qui est en situation de khalitsa psula, il a fait des actions qu'il ne fallait pas faire avec la yevama. Il a donné un guet, ouais, c'est plutôt dans Perek Dalet, ici déjà, et Khamishi. Il a donné un guet alors qu'il. Donc là maintenant, on se retrouve dans une situation de Khalitsa Psula, là, la Khal nous dit, bah, dans ce cas-là, tous les frères ils doivent lui faire la Khalitsa. Ça ne suffit plus qu'un, il fasse pour tous. Et en fait, là, ici, il rallonge beaucoup les Mefarshim pour nous dire que dans tout ce chapitre, quand on t'a dit que tu as fait une Khalitsa Psula, ça implique que dès lors, si on voudra permettre cette femme, si possibilité il y a, ouais. Et ben malgré tout, la khalitsa, puisqu'on a déjà fait une khalitsa invalidée, ce sera tous les frères qui devront faire la khalitsa à cette femme. Ok, et on ne pourra plus lui faire aussi le hiboum, même si la khalitsa est invalidée, c'est trop tard, maintenant on a déjà commencé le procédé. La khalitsa, on ne pourra plus faire le hiboum. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, comme c'est là.